tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Car aujourd'hui nous allons jouer... Toute la musique est trop forte. Nous allons jouer à Age of Empire 3. Et que oui, on va jouer à Age of Empire 3. Une nouvelle vidéo, une nouvelle série, une belle musique. Ça a pris un certain temps avant de pouvoir commencer à jouer parce que c'est pas à moi ce jeu là, je l'ai emprunté à mon père. Il existe le 2 que je vais sûrement jouer avec vous. Et oui, je vais jouer au 2. Peut-être pas tout de suite, commençons avec le 3, mais je vais juste vous avertir un petit détail. Le 2, il est plus pixelisé que ça, on s'entend. Mon ordinateur, il y a de la misère à rouler OBS et ce jeu. Ouais. Il y a de la misère à rouler ceci. Ouais, il y a de la misère à rouler les deux ensemble. Alors, si vous voyez laguer, c'est bien normal, moi ça va flasher tout le long. Inquiétez-vous pas, c'est normal, parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour soutenir les deux. Nous allons apprendre à jouer. J'ai déjà joué à RGMP, mais celle-là, j'ai jamais vraiment joué à ça. J'ai fait trop vite ça en ce moment. Là, il faut que je commence par les bases, parce que vu que c'est un nouveau jeu, le principe est le même que Age of Empires 2, que je connais bien, que je maîtrise quand même correct. Que j'ai... Mais Age of Empires 3, c'est une autre histoire. Il faut vraiment que je vérifie les bases. J'ai pas joué vraiment. Honnêtement, je joue un peu sans savoir comment jouer. Ouais. J'ai joué sans savoir comment jouer, alors j'aurais dû commencer par ça, mais on va commencer. Mais sachez que un joueur peut jouer campagne, escarmouche, des scénarios personnalisés qui est bien, et des parties enregistrées. Et bah, si vous enregistrez peu importe quoi, multijoueur, on peut jouer en ligne, qui est la même version que celle-là, ou réseau local. De plusieurs personnes dans un même réseau. Exemple, plusieurs personnes dans la maison. Admettons. Il y a des aides et outils, mettre le jeu à jour. Ce serait pas une mauvaise idée, mais c'est pas moi qui va faire ça. Éditeur de scénario, partie enregistrée, etc., etc. Et bien sûr, quitter. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? On n'est pas tenteur d'une partie, mais bien apprendre les principes de base. Apprenez les principes de base. Age of Empire 3, je vais attendre de lire. Au pire, vous mettrez à pause pour le lire, c'est pas grave. Votre explorateur vient juste d'arriver dans le nouveau monde. Ça commence assez rapidement. Au cours de ce didacticiel, si vous ne savez plus où vous en êtes, cliquez sur le bouton clignotant Objectif. Pour déplacer votre explorateur, sélectionnez-le au préalable. Et cliquez sur l'explorateur pour le sélectionner. On clique ici. Excellent. À présent, cliquez avec le bouton droit sur le terrain près du drapeau pour déplacer l'explorateur. Et oui, même en jeu Age of Empire 2, c'est la même affaire, mais... Vos soldats ont débarqué et attendent vos ordres. Commande à ma... Pour sélectionner tous les mousquetaires, tracez un cadre autour d'eux. Parfait. Cliquez avec le bouton droit sur le terrain près du drapeau. Laissez parler pour ceux que je... Les mousquetaires ont rejoint votre explorateur et vous pouvez lancer l'exploration. Sélectionnez les quatre unités en traçant un cadre autour d'elles. Je vais attendre qu'il clique. Cliquez avec le bouton droit près du drapeau suivant pour pénétrer dans les terres. Ok, je dirais rien pour ça. Je laissais fait terminer, je sais comment jouer la grosse base là. Quand même.
vos unités approchent de l'extrémité de l'écran. Pour faire défiler la vue de la fenêtre principale, déplacez le curseur vers l'extrémité de l'écran. Essayez maintenant. Faites défiler l'écran vers la gauche jusqu'au drapeau suivant. Et sérieux ? Déplacez votre explorateur et les mousquetaires vers le drapeau suivant. Ça va être long. Vous remarquerez que le paysage se dévoile au fur et à mesure de l'avancement de vos unités dans les terres. Vous verrez toujours le terrain des zones que vos unités ont déjà explorées. Mais vous ne verrez les troupes ennemies que si vos unités sont près d'elles. Ça, c'est le mode... Le centre-ville est le premier bâtiment de votre colonie. Au début d'une partie, votre centre-ville contient des colons et des cajots de ressources. Les ressources servent à construire d'autres bâtiments et à entraîner des soldats. Vos colons commencent à amasser les ressources des cajots immédiatement, mais vous pouvez les affecter à une autre tâche. Essayez maintenant. Sélectionnez un colon. Ok, ça commence quand même assez spécialement. Cliquez avec le bouton droit sur l'un des arbres qui clignotent. Forcer. Bon travail. L'arbre permet aux colons d'amasser du bois. Les colons peuvent également amasser de la nourriture grâce aux animaux et aux moulins, et des pièces grâce aux mines. Vous devrez amasser ces trois ressources pour assurer la survie de votre colonie. Ce son et l'icône d'expédition clignotante indiquent que vous pouvez désormais envoyer une expédition à partir de la métropole. Cliquez sur le bouton clignotant Métropole. Ce? Lors d'une partie d'Age of Empires 3, visitez la métropole de temps en temps pour expédier du ravitaillement, des colons ou des soldats. Pour votre première expédition, il vaut mieux envoyer d'autres colons pour développer votre économie. Pour envoyer une expédition, sélectionnez le colon. Cliquez sur le bouton clignotant pour revenir au Nouveau Monde. Le passage à l'âge colonial vous permet de construire d'autres bâtiments et d'entraîner des soldats. Vous disposez d'assez de ressources pour passer à l'âge colonial. Sélectionnez le centre-ville. Vraiment, les principes de base, je connais ça. Vous voyez, j'ai pris de l'avance sur lui qui va miner de l'or. Je pense que c'est uniquement de l'or qu'il y a dans ce jeu-là, si je me rappelle bien. Lui, il s'occupe de la nourriture. Puis lui, il s'occupe des arbres. Il faut quand même avoir un bon roulement en général. C'est simple. Je suis habitué à Age of Empires 2, il y a de la pierre. Oui, il y a de la pierre. J'avoue qu'il y a des choses que je ne savais pas, honnêtement, là. J'apprends Age of Empires 3, et non 2. Je me base sur le 2, mais qui va me servir dans le 1. Ce qui veut dire que j'ai déjà une avance. Cliquez sur le bouton puis sélectionnez un politicien pour passer à l'âge colonial. Il y a 5 âges. 5. Je suis jamais rendu au 5e. Ah là, c'est qui ment. Puis ça coûte toujours de quoi. Sélectionnez politicien de l'âge colonial. J'ai le choix entre la naturaliste ou l'évêque. Coup. 800 nourriture, 4 vaches. Coût. J'ai goût d'aller avec l'évêque, mais c'est vrai qu'ils utilisent. As-tu une importance vraiment? Ça veut dire que ça c'est une fille? Ça, c'est-tu pour désigner notre sexe, mais d'une façon différente, ou non? Je vais essayer ça, pour le fun, parce que j'en ai aucune idée, c'est quoi la différence. Absolument aucune idée, c'est peut-être, on va avoir 4 vaches. Le coût, c'est de 800 nourritures pour avoir 4 vaches. L'autre, c'est peut-être pour avoir... Ok, c'est ça. Vous avez atteint l'âge colonial. Construisez une caserne pour défendre votre colonie. Sélectionnez un colon. Ok, ce qui va dire, je ne savais pas,
Je suis en même temps que vous. C'était ma question qui ça m'a répondu. Alors, ce qui arrive, c'est que peu importe qui qu'on choisit, ça veut pas dire que c'est pas une fille que tu peux. Ça veut pas dire que si c'est une fille que tu vas prendre absolument une fille ou un garçon, tu vas prendre l'évêque. Ça veut juste dire c'est les options. Tout simplement. C'est ce que je comprends. Puis c'est à peu près ça aussi, de toute façon. Ça, ici, on peut avoir des améliorations si ça reste aussi comme Age of Empire 2. En anglais. Age of Empire. Puis moi en français, Age of Empire. Cliquez sur le bouton clignotant caserne. Ici, il y a toutes les affaires qu'on peut... Ce qui est spécial, c'est que absolument on avait des onglets armée. Je vais tout vous expliquer ça aussi de toute façon avec Age of Empire 2 parce que je vais faire une vidéo sur ça. Ouais, je vais faire une vidéo sur une série sur Age of Empire 2, mais celle-là par contre on commencera pas avec les bases. Pas en tout. Bon. Placez la caserne près de votre centre-ville. Tiens. On a quand même pas mal de flexibilité. Différents... C'est sûr que c'est très pixelisé comme détail, mais... C'est quand même... Je trouve un c'est plus jeune que Age of Empires 2, qui est encore plus pixelisé. Celle-là, c'est comme une autre génération. C'est... Le graphisme est pas pire quand même. J'aime bien le graphisme. Donc faire. Et voilà. Il serait judicieux d'entraîner d'autres soldats pour protéger la colonie. Ça, si vous voulez avoir les objectifs sur. Pour réaliser ce didacticiel, vous disposez de ressources supplémentaires. Sélectionnez la caserne. Cliquez 5 fois sur le bouton clignotant mousquetaire. Vous voyez aussi ça coûte de la nourriture tout le temps. L'or ça dépend pourquoi. Et un pop 1, c'est quoi ça? J'en ai absolument aucune idée. Ah peut-être au lieu qu'il va y avoir 4 soldats, il va en avoir 5. On veut combien là? Puis cliquez 5 fois, ok. Vous entraînez un petit groupe de mousquetaires. Continuez l'exploration et le rassemblement de ressources. Hein? On va vraiment continuer Persus, je sais pas ça va être quoi. Ça va être quoi la durée de cette série? J'en ai aucune idée, je m'attends à... Ce son indique que vos mousquetaires sont prêts. Je jamais finir. Et juste à temps. C'est la beau. La cavalerie espagnole est en route pour attaquer votre colonie. Bon. Sélectionnez les mousquetaires et cliquez avec le bouton droit sur les unités ennemies pour les attaquer. On sait ça. En gros, pour vous déplacer. Oh, ok, il y a ce côté-là. Yes. Lion, commande à ma On est avec le fusil. 100% fusil. Là, on est comme dans l'époque... Vous avez vaincu la cavalerie ennemie. Attends un peu comment, et qui a défendu la colonie. Félicitations. Vous pouvez à présent passer au second didacticiel. Ah, tentez c'est terminé. Une partie. Vous avez gagné. Yeah. Ah. Je savais pas que ça aurait été... de même. Bon, mais ça, je peux parler. J'ai appris des choses que je savais pas honnêtement. On va prochaine vidéo tenter une partie. Et oui. Comment ça va fonctionner? Chaque vidéo. Je vais vous dire ça tout de suite. Chaque vidéo aujourd'hui c'est vraiment le gros blabla. Avec le didacticiel en plus n'importe quoi. Une partie. Il va y avoir une partie par vidéo.
je reprends totalement. Ouh. Quand ça aurait été vidéo 1, attendez-vous 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc. Oui, parce que le nombre de vidéos que ça va prendre, c'est vraiment ça. Je vous le dis tout de suite, ça va prendre, exemple, ça prend 4 vidéos pour une partie, ça prendra 4 vidéos pour une partie. Puis du coup, ça va, il va y avoir 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. De toute façon, si un 4.4, exemple, juste 4, exemple, il y a un point 4.1, ce qui veut dire, c'est la première de ça. S'il n'y en a pas comme là, il n'y en aura pas. Parce que on commence, vraiment. Je vais prendre de l'avance, par contre, cette fois-ci, pour continuer à tenter une partie. Sachez que Age of Empire 2, on va, je vais pouvoir commencer bientôt, mais pas tout de suite. Ou tout dépendant si vous voulez aussi. Mais c'est pas ma priorité. Pour commencer, ça me tentait vraiment de commencer avec Age of Empire 3. Je vais peut-être aller avec Age of Empire 2, donc je suis plus habitué. La partie va être longue, je vous dis. J'ai tenté un enregistrement que j'ai arrêté pour une raison quelconque dont je vous le dirai pas. Donc je vais recommencer. Ça ne dérange pas, de toute façon faut que je me pratique. J'aurai pas le choix. Puis après deux vidéos, j'avais même pas terminé. Je vous dis ça tout de suite avec deux. Après deux vidéos, je n'avais absolument pas terminé. Je sais pas si vous avez eu des lags ou non, mais moi ça a pas flashé. Du coup, sûrement il n'y a pas eu de lag, j'ai eu de la chance. Juste avant de l'enregistrement, je faisais des tests. Et oui, ça laguait. Quand j'ai regardé visuellement. Puis ça, c'est quelques pas longtemps, là. C'est vraiment un jeu que j'ai hâte de continuer. J'aimerais savoir votre avis. Est-ce que vous voulez avoir Age of Empire 2 assez rapidement ou non? Je vous laisse déterminer ça, sinon je vais prendre ma propre décision. Je vous laisse votre propre la décision, sinon je vais commencer peut-être durant l'été ou après l'été, tout dépendant si ça me tente ou non. Puis encore là, par contre, si on joue Age of Empire 2, ça va être un peu comme ici, là vous voyez plein écran, mais sinon, moi je le vois plein écran, mais vous ne le voyez pas plein écran. Il enregistre de même OBS. Puis la même façon aussi que avec le 2. Mais la différence c'est que vous voyez mon bureau. De toute façon je risque de faire d'autres tests d'ici là avec le 2. Mais je suis absolument content. Mais vraiment content. De faire ceci avec vous. Ce qui risque d'arriver. Je vous dis tout de suite. Ce qui risque d'arriver. C'est ceci, nous allons continuer, non seulement en vidéo, vous allez le voir sur YouTube, du moins je vais m'arranger, mais je sais la vidéo qui va commencer mon premier live Twitch. Oui, le premier live Twitch sera sur cette vidéo, ce jeu. Et ensuite, on va faire un tout petit peu de programmation. Programmation, faut le dire vite. Plutôt continuer le jeu démo de RPG Maker avec qui me dit n'importe quoi. Le jeu perfore démo avec RPG Maker. Sachez que quand vous allez voir la prochaine vidéo, c'est ça, vous allez voir que c'est complètement différent. Oui, quand je dis différent, je dis bien différent. Parce que ce que vous avez vu n'est pas qu'est-ce qui est en ce moment. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai avancé pas mal dans le scénario. Ouais, j'ai arrêté un peu de continuer sur le logiciel. J'ai préféré continuer sur le scénario.
pour éventuellement commencer aussi le scénario de Perfort, le jeu complet. Puis éventuellement, une fois ça termine, peut-être pas terminé, mais une fois que je vais avoir terminé des mots, je vais juste le faire, c'est tout, ça va peut-être aller quand même relativement vite, ce qui est plus long, c'est le scénario. Mais pour l'autre, le complet, je vais pouvoir avancer aussi un bon rythme, tout ça. Du coup, tout va accélérer. Juste comme ça, RPG Maker, ben, mon jeu pour RPG Maker, RPG Maker c'est du RPG, on s'entend, mais mon jeu c'est un jeu de rôle. Je pensais peut-être qu'il n'y aurait absolument aucun combo. Aucun combo, oui, c'est vrai, mais d'un autre sens, peut-être, j'ai pas encore fait des tests et tout ça, je dis ça vite vite de même, ça se pourrait qu'il y ait une forme de combo. Mais cette forme de combo là, c'est pas un combo que vous allez contrôler, c'est plutôt un combo dans le scénario. C'est le scénario qui fait en sorte que le combat. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, cette nouvelle série, dont un nouveau jeu que j'aime bien, que peut-être pas celle-là, je joue pas vraiment jouer, j'explore avec ce jeu-là, mais que vous avez, que je joue depuis longtemps avec le 2, depuis que je suis jeune. Honnêtement, là, depuis que je suis jeune, je joue à ce jeu-là, le 2. Cette version-là, faut que je m'habitue, ça c'est sûr. Désolé si il y a eu des lags. Mon ordinateur n'est pas si puissant pour soutenir les deux. Du moins, faut que je fasse attention et tout. Mais sur ça, bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Empire 3. Puis, prochaine vidéo, on commence. On commence pour vrai. Et on va découvrir le jeu ensemble. Je vais prendre l'avance, mais on va le découvrir ensemble quand même. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.